c'était beau. Le caméraman. caméraman, il est là. The caméraman, s'il vous Il plaît. est là. Bonjour à tous et bienvenue sur BFM TV, la chaîne d'info en continu 24h sur 24. Nous nous retrouvons ici à Los Santos, autrement dit Los Angeles, dans GTA V pour une fameuse série d'explosions commises par Jean Mahmoud. Nous sommes sur place avec nos experts en hélicoptère et nous allons laisser plutôt la parole à un expert dans le domaine, Pierre Vincent, donc spécialiste en terrorisme et actes d'explosifs. Je vous laisse la parole. Il est passé, il a changé la musique. Mais j'ai mis dans un coup d'eau pour une explosion. Non, mais c'est pas sérieux, tu... Are you ready? Go. Are you ready? Pardon. C'est absolument pas ça. Ah oui, non, c'est pas du tout ça, non. Vas-y. Bonjour et bienvenue à tous sur BFM TV, la chaîne d'info en continu. Au sommaire du jour, des explosions à Paris-Bercy durant le concert de Booba. Les terroristes revendiqueraient une musique trop merdique à écouter et auraient donc provoqué de multiples explosions dans la scène durant l'événement. Et désormais, nous nous retrouvons avec Pierre Vincent, spécialiste en actes terroristes et explosions à grande échelle. Bonjour Pierre. Bonjour. Le mec, il se ramène sur BFM et nous nous retrouvons avec Pierre Vincent, donc avec une intervention très poussée. Bonjour Pierre. Bonjour, Nick Tanner. Ok, t'es prêt? Pierre, est-ce que t'es prêt? Oui. 3, 2, 1, générique, action directe. Bonjour à tous et bienvenue sur BFM TV, la chaîne d'info en continu. Aujourd'hui, petit flash info en alerte en dernière minute. Des actes terroristes auraient été revendiqués à Paris-Bercy. Les revendications des terroristes seraient tout simplement durant le concert d'Ouba qu'une musique trop merdique aurait été passée et aurait donc commis ces actes de barbarie. Nous nous retrouvons donc avec Pierre Vincent en direct du plateau. Nous sommes également en direct avec nos hélicoptères, nos reporters. Bonjour Pierre, spécialiste en terrorisme, explosion à grande échelle. Bonjour Pierre, je crois que ce sont les aléas du direct, hein, excusez-moi, ce sont les excuses de tous les présentateurs TV, une fois qu'il y a une bourde. Bonjour Pierre. Bonjour Pierre. Bon, peut-être que si je dis bonjour Sylvain Pierre Durif. Bonjour à tous et bienvenue sur BFM TV, la chaîne d'info en continu 24h sur 24. Bonjour à tous. Au programme, au sommaire du jour, le Mali remporte la Coupe du Monde de football 2022 au Qatar. Apparemment. Vas-y, recommence. J'ai une idée. Pourquoi le truc 2002? Parce que j'ai une idée. Bonjour à tous et bienvenue sur BFM TV, la chaîne d'info en continu. Aujourd'hui au programme, le Congo remporte la Coupe du Monde 2022 en Russie grâce à un doublé de son attaquant phare, Eddy Malou, E2DY, trait d'union MALOU. Le fameux créateur de la congolais exécomatisation des lois du marché aurait permis à son équipe de remporter cette fameuse compétition grâce à un doublé de la tête. Et nous retrouvons notre expert football, Pierre Ménès, qui est en direct avec nous. Bonjour Pierre. Bonjour Richard. Je suis actuellement en direct de McDo et effectivement, j'ai vu ce qu'il s'est passé. C'est vraiment exceptionnel. Une reprise de la tête de notre cher Eddy Malou, c'est vraiment magnifique. Une reprise de la tête. À préciser que les deux passes décisives viennent tout droit de notre ami Sylvain Pierre Durif quand même. Hein, je veux dire, un très grand attaquant qui est en concurrence pour le Ballon d'Or d'ailleurs, aux côtés d'Iniesta et de Brandao. C'est normal. Tema, il a dit quoi? Iniesta et Brandao. C'est quoi le putain de rapport entre les joueurs? Non, non, attends. Non. Et on va parler de quel sujet? Non, générique, je veux un hélicoptère. Je veux chaussures. Je veux les chaussures. Mais monsieur, vous n'avez pas l'argent pour. Je veux les chaussures. Comme ça. Gros, j'aime bien un petit. Comme ça. J'adore cette. Bonjour à tous et bienvenue sur BFM TV, la chaîne d'info. En continu aujourd'hui au sommaire, l'usine Cochonou aurait pris feu du côté de Paris-Saint-Denis. Et nous retrouvons directement notre invité spécial et notre reporter sur le plateau. Bah non, pas sur le plateau. Bah non, puisqu'on est. Oui, on est sur un plateau. Non, c'était trop bien. L'usine Cochonou, c'était trop stylé. Vas-y, refais, c'est pas grave. On coupe au montage, hein, c'est YouTube. Bonjour à tous et bienvenue sur BFM TV, la chaîne d'info en continu. Aujourd'hui au sommaire, nous partirons sur les traces de l'incendie mortel qui aura tué plus d'une vingtaine d'employés.
d'empoignée, d'accord. Là, nous gros, sommes des avant-bras, des empoignés, nous sommes toute l'équipe. Bonjour à tous et bienvenue sur BFM TV, la chaîne d'info. On continue aujourd'hui au sommaire, nous irons sur les traces de l'incendie mortel qui aura tué plus d'une vingtaine d'employés dans l'usine Cochonou. Et nous retrouvons tout de suite nos reporters sur place SCH pour nous en dire un peu plus et approfondir le sujet. Bonjour SCH. Et donc là, là c'est le malaise, c'est ça? Je suis censé faire quoi là? T'es censé nous lâcher un gros malafac. Mais non, je ferai pas ça. Et donc, pour un peu plus d'infos, nous avons retrouvé l'un des membre qui aura sauvé le patron de l'entreprise, monsieur Abdelakrim, le policier. Bonjour, monsieur Abdelakrim. Bonjour. Pourriez-vous nous en dire un peu plus sur cet incendie mortel qui aura causé de nombreuses morts? Alors, c'était une intervention assez compliquée. Il y avait beaucoup de flammes. On a dû faire intervenir plusieurs autres collègues. C'était très compliqué. Je me retrouve avec une brûlure au bras, comme vous avez pu le constater. Mais on s'en est sorti sans aucune égratignure. Et donc voilà, c'est une mission sain et sauve qui a été remplie. J'espère que ça vous a plu les potos, on est bientôt 4000, alors n'hésitez pas à vous abonner et à montrer la chaîne à tous vos potes en accompagnant cette vidéo d'un pouce bleu. Et moi je vous laisse sur cette merveilleuse musique. Ciao !